Territoire de Chef vous est présenté par KPMG Pulse, partenaire officiel de tous les restaurateurs. Bienvenue dans votre rendez-vous culinaire Territoire de Chef. Salut Julien, tu vas bien ? Ça va bien ? Salut, bonjour Alain, comment tu vas ? Ça va ? Alors, je vais faire quelques présentations avant de commencer à nous présenter cette jolie pêche. Donc Julien, qui est le chef de la route du Rhum, et Jean-René Le Riche, qui vient spécialement de Métropole, qui a son restaurant à Toulouse, qui est venu aujourd'hui t'accompagner pour exécuter cette jolie recette. Est-ce que tu peux nous présenter ta pêcheuse? Eh bien, donc voici Aquagirl qui me fournit mon poisson frais. Ouais. Aquagirl. Après Aquaman, on a Aquagirl donc, qui vient me livrer mon poisson frais régulièrement au restaurant à chaque fois que j'en ai besoin. Bah les garçons, moi ce que je vous propose c'est de partir en cuisine pour exécuter cette jolie recette avec cette jolie pêche. Aujourd'hui nous sommes à la Marina de Pointe-à-Pitre au restaurant La Route du Rhum. Nous allons rejoindre en cuisine le chef Julien, accompagné aujourd'hui de son invité, le chef Jean-René Le Riche, qui vient spécialement de Toulouse pour exécuter avec lui une jolie recette de dorade. Suivez-moi. Julien, merci de nous recevoir dans tes cuisines de la Route du Rhum. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Avec Jean-René qui est venu donc de Métropole pour t'accompagner aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tous les ingrédients de ta recette? Alors, on va faire une dorade poêlée au foie gras avec des légumes pays. Moi, les garçons, je vais vous laisser travailler. Okay. Et je vais revenir tout à l'heure pour la présentation de l'assiette. Et pour la dégustation. Ah, ben oui. À tout à l'heure. Okay, à tout à l'heure. Donc je te laisse faire lever les filets de dorade. Donc oui, si vous faites la recette chez vous, normalement vous devez voir dans le fond de votre poêle l'huile légèrement striée. Et juste après elle fume. C'est là qu'on peut mettre le poisson. Okay. On est à la bonne température pour saisir. Okay. Là, voilà, là on a le bon bruit. Okay. On a le bruit qu'il faut, ça chante comme il faut. On peut plaquer aussi, pensez à plaquer avec une spatule pour garder la forme bien plate. Okay. Pour tous les filets, vous savez, des fois vous poulez un poisson, le poisson il se recroqueville sur lui-même. Vous mettez une spatule ou plaquez ou avec la main, nous on fait ça avec la main les cuisiniers. Là on a une belle coloration, on retourne. Et la noisette de beurre qui va nourrir et éviter que ce soit trop sec. Et là, on enfourne. Alors là on est pas mal là. Là je pense qu'on est à 70% de la cuisson. Une bonne cuisson de poisson bien maîtrisée. Moi, ce que je conseille, oui, c'est une poêle entre 160 et 180 degrés. Mmh. Bien saisie, un côté, côté peau en général. S'il n'y a pas de peau, bah, côté filet, le plus joli, celui qui vous plaît. Et ensuite, finition de la cuisson au four à 180. Et donc là, c'est variable en fonction de l'épaisseur du poisson, de la quantité de poisson que vous avez et du four, comment il chauffe. Et donc là, par contre, c'est ce que je dis toujours à tous les cuisiniers, aux gens qui font de la cuisine, il faut piquer, goûter, toucher. Là, on a les garnitures bien chaudes. Hein. Je vais te couper les carottes. Alors donc... Là, on est bon. Et vous voyez, du coup, le beurre, normalement, il n'est pas trop carbonisé. Il est juste un peu roussi. Okay. Vous voyez, il est légèrement noisette. Ouais, donc, on est au top. Alors, on va dresser la dorade. On commence par la patate douce, là, la purée de patate douce dans une poche à pâtisserie. Ouais. OK. Donc là, je vais acheter le poisson. OK. Okay. Donc ensuite, je vais mettre... le foie gras par-dessus. Petit ! Yo ! Qu'est-ce qui se passe ? Ça sent bon ! Ça sent bon, bah ouais, on fait en sorte que ça sente bon. On t'attendait. Ah, magnifique, hein. Vous avez bien bossé, hein. Ensuite, je vais venir mettre dessus une petite fleur. Bah, les amis, une magnifique assiette. On est sur une assiette 50% terroir vers Guadeloupe. C'est ça, ouais. Et ouais. 50% sud-ouest. Je vous félicite et je pense qu'on peut vous applaudir très fort. Merci Jean-René. On peut applaudir aussi à Aquagirl. Merci Aquagirl, c'est vrai. Merci Aquagirl. Et les enfants, si on avait dégusté. Ah ouais, bah oui, allez, on y va. Vous vous êtes régalé devant Territoire de Chef avec Président. Président, le plaisir, c'est important. La la la.